Samy, je suis presque prête. Et toi? Samy, tu es prêt? Qu'est-ce que c'est? Oh, Sam, tu es toujours au lit? Tu as oublié? C'est vendredi, on voulait aller au cinéma. Vendredi? Cinéma? Vendredi! Cinéma! Bien sûr! Comment pourrais-je oublier? Tu viens de tousser? Quoi? Non, non, pas du tout! Je suis juste très content! D'accord, Samy. Mais tu dois te dépêcher. Je suis presque prêt! D'accord. Oh non, oh non! Comment ai-je pu oublier? Et dormir? Et... Je vais m'habiller maintenant. Voyons voir. Celle-là? Non. Oh. Celui-là? Non, non, non. Je sais. Celui-là? Non. La 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 la. Je pense. Achou! Hein? Achou! Oh non! On dirait que je suis malade! Samy, habille-toi chaudement. Il fait froid dehors. J'espère que Sue ne va pas s'en rendre compte. Je veux vraiment y aller. Sam! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Tu es bien silencieux aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oui, mais je n'ai pas assez dormi. Je vais bien. Sam, tu es malade? Pourquoi tu dis ça? Écoute, Samy, si tu es malade, tu ferais mieux de rester à la maison. Je vais très bien. Je n'ai jamais été aussi bien. J'ai hâte d'aller à... aller à... achou! Cinéma. Achou! Oh chérie, tu es vraiment malade. Pourquoi tu ne me le dis pas? Je voulais vraiment regarder un film! Mais on peut regarder un film à la maison! Mais le pop-corn et le soda ne sont pas les mêmes qu'au cinéma, tu sais, dans cette machine spéciale! Sam, on peut en fabriquer une! Pour de vrai? Tu ne peux pas me faire de blagues maintenant, je suis trop faible! Pour de vrai, mais d'abord prenons soin de toi! Salut tout le monde! Vous aimez aller au cinéma? Écrivez dans les commentaires le dernier film que vous avez vu! Salut les amis! Oh, je ne me sens pas très bien! Attention Samy, ne tousse pas sur le carton! Tiens, prends ceci! Tousse et éternue dans un mouchoir pour ne pas répandre de mauvaises bactéries partout dans la maison! Oh, achou! Quelle souffrance! Samy, tu peux essayer de te distraire! Regarde-moi bricoler! Nous avons ici la première pièce avec des éléments dessinés. On va les découper. Les amis, soyez prudents avec les outils tranchants. Vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider. C'est intéressant le bricolage. Mais si, c'est quoi les mauvaises bactéries? Je ne les vois pas sur mon mouchoir. Oh Samy, il y a beaucoup de bactéries. Il y en a des milliards sur Terre. Ce sont les êtres vivants les plus nombreux. Mais elles sont très petites. On ne peut pas les voir à l'œil nu, seulement avec un microscope spécial. Je n'ai pas besoin de microscope pour voir que tu fabriques une sorte de maison. Non, Samy, ce n'est pas une maison. C'est la devanture de notre merveilleux distributeur de pop-corn et de soda. Oh, j'adore. Bien, ajoutons quelques morceaux de plus. J'ai préparé ces parties transparentes. On va les coller sur... Et tu m'attires que ce n'est pas une maison. Il y a des fenêtres en verre maintenant. Tout ce qui a des fenêtres n'est pas forcément une maison. Vraiment? Je ne vois rien d'autre qu'une maison avec des fenêtres. Tu m'embrouilles. Les amis, si vous connaissez des objets avec des fenêtres en verre et qui ne sont pas des maisons, écrivez-les dans les commentaires. Je suis sûre qu'ils vont t'aider. C'est bon, on a fini avec ça. C'est l'heure de passer à la pièce suivante. J'ai vraiment besoin de savoir. Oh, c'est un grenier! Un grenier? Ou un sous-sol. Oh, tu ne vas pas laisser tomber l'idée de la maison?
Eh bien... D'accord, d'accord. Il nous en faut deux comme ça. Mettons-les ensemble, comme ceci. Jette un œil à ça. On ne dirait pas un grenier. Ouf, je suis contente. Continuons. Si les bactéries sont les êtres vivants les plus nombreux sur Terre et qu'elles sont mauvaises, ça fait peur! Mais Samy, la plupart des bactéries ne sont pas mauvaises du tout. Bien au contraire, beaucoup d'entre elles sont bonnes pour les autres êtres vivants. Elles transforment les nutriments et produisent de l'énergie. Les bactéries nous aident à digérer les aliments et à protéger notre peau. Mais les bonnes bactéries peuvent être attaquées par des virus. Si les virus réussissent à capturer les bactéries, l'organisme tombe malade. Et pas seulement notre corps, mais aussi les plantes. Attends, j'ai été malade après avoir mangé beaucoup de glace hier. Est-ce que cela signifie que la glace est attaquée par un virus? Non, non, Samy, ça ne marche pas comme ça. La glace va bien. D'ailleurs, je peux utiliser les bâtonnets de la glace que tu as mangés. Il y a beaucoup de bâtons. Je me sens mal. Je ne pourrai plus jamais manger de glace. Mon pauvre chéri, remets-toi. Tu te rétabliras très vite, mais tu devrais bien te reposer. Me reposer? Je peux faire ça. Je suis un spécialiste du repos. C'est génial. Et notre bouton pour la pièce est terminé, comme dans un vrai distributeur automatique. Continuons à fabriquer des pièces de la machine. Soigneusement. Ça va ici. Quand puis-je apporter le pop-corn? Vas-y, amène-le. Nous allons créer une véritable machine à pop-corn. Youpi! Je reviens tout de suite. Ah ah! J'aurai besoin d'un autre morceau ici. Tchoum! Oups! Et me voilà! Merveilleux, Samy. Maintenant, regarde bien. C'est comme ça que la machine va fonctionner quand les pièces tomberont à l'intérieur. J'espère que tu vas pouvoir m'aider. Oh! Bien sûr! Je vois que tu te sens beaucoup mieux. Alors apporte une canette de soda ici. Tout de suite! On dirait que le bricolage a des propriétés curatives. Espérons que Sam ira très vite mieux. Un slime sain est un slime heureux. Et si l'un d'entre vous est malade, guérissez vite! Livraison de soda! Quelque chose me dit, Samy, que tu as mis du soda dans toute la maison. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et voici plusieurs petits morceaux. Voyons voir... Hop! La machine utilisera cette structure pour pousser les boîtes de conserve vers l'extérieur. Regarde! Nom d'une vache! J'adore! Et ça, ce sera un conteneur pour changer le pop-corn dans la machine. Il devrait y avoir une ouverture en bas. Maintenant, faisons un toit pour notre machine. Ici, nous allons avoir besoin d'une ouverture pour notre conteneur de pop-corn. Ah ah, super! On n'a plus qu'à découper maintenant. Délicatement. Et maintenant, posons notre conteneur ici. Juste un peu plus et notre distributeur automatique de pop-corn et de soda sera fini. Allons-y avec les dernières étapes du montage. Oh, j'aime tellement cette partie! Quand tout ce sur quoi j'ai travaillé s'assemble. Et tu as raison, Sam. On dirait vraiment une maison. Ouais, mais il y aura du soda et du pop-corn à l'intérieur. C'est exactement ma taille, non? C'est un vrai palais pour toi, Samy. Avec des fenêtres et une tour et même des toboggans et des balançoires. Mais su, cette machine ne ressemble pas au vrai cinéma. C'est très différent. Mais nous n'avons pas encore fini. Décorons-la. J'ai tout préparé pour ça. La décoration est une étape très importante du bricolage. Je suis d'accord, ça donne de la personnalité à notre création. C'est mieux maintenant? Oh, beaucoup mieux. Nous n'avons plus qu'à la remplir maintenant. Ne sois pas timide avec ça, Su. Je veux un très bon approvisionnement. Tu
Tu as déjà choisi ce qu'on allait regarder? Quelque chose d'intéressant. Je suis sûre qu'il y a un film avec un titre comme ça. Ok. J'espère qu'on a assez de pop-corn pour remplir cette machine. C'est plus grand que je ne l'imaginais. Mais je ne me plains pas. Les amis, vous avez des films préférés? Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Voilà, c'est fini. Testons cette machine en action. Mettons maintenant un film et notre home cinéma sera fin prêt. Oh ouais! Ouais! Pauvre Sammy, garde tes forces pour le film. Après tout, nous avons fait tout ça pour te permettre de te reposer et de récupérer tranquillement. Attends ici pendant que je prépare tout. Voyons voir. Sam, tu crois que ça va aller dedans? Sammy? Sammy! Où es-tu? Hein? Où est-il allé? Hein? Où est-il allé? Hein? Je dois vérifier. Sammy? Sammy? Tu m'as appelé, Su? Oh mon Dieu, Sam, tu m'as fait peur! Tu regardes le film ou pas? Oui. C'est très intéressant. Oh, Sammy, tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous aide à vous remettre? Pour moi, c'est du pop-corn et beaucoup de pouces en l'air. Si on récolte 50 000 j'aime, je serai le slime le plus en forme du monde. Vous ne me croyez pas? Abonnez-vous à la chaîne et vous verrez. À très bientôt!